Angers, j'étais déjà venu ici juste pour un colloque comme ça et j'avais vu que c'est à un des quelques endroits, il y en a encore quelques-uns dans le monde, mais qui sont vraiment cinéphiles, à la fois, je pense, dans la programmation, le fait de choisir des premiers films, des premières heures, mais aussi dans le public. J'ai l'impression qu'il y a ça fait partie des festivals, il y a une vraie curiosité cinéphile d'aller voir les films, tous les films, et ça, c'est pour ça que j'aime ce festival, quoi, et que Claude-Éric Poirot, que j'avais déjà croisé plein de fois dans d'autres festivals, je sais que c'est quelqu'un qui défend le cinéma, et il y en a de moins en moins, et ici c'est un endroit où ça fait du bien, qu'il y a encore un endroit qui résiste, voilà. Le fait de faire du cinéma a toujours été difficile, et elle est encore aujourd'hui, je me demande s'il n'y a pas une espèce de peut-être de censure ou d'autocensure, où ça devient très difficile de faire des films de manière libre. Et c'est ça qu'on voit ici, quoi. C'est des premiers films, donc il y a des trucs parfois qui sont risqués, quoi. Mais parfois ça marche pas, parfois c'est intéressant. Mais il y a encore une forme de liberté. C'est ça que j'aime ici, même en tant que membre du jury, c'est d'essayer de voir qui a encore osé prendre un risque. Et ça devient de plus en plus difficile dans le monde où il y a tellement d'obligations, où pour trouver de l'argent c'est difficile, qui résiste encore en faisant des films et qui résiste encore en les montrant. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les salles sont remplies de jeunes qui vont voir des films dont ils n'ont strictement rien, dont ils ne savent rien. C'est ça qui est d'ailleurs intéressant dans un festival aussi, c'est de recevoir quelque chose de manière tout à fait vierge et pas quelque chose dont on a déjà tout entendu et qu'on sait qu'on est entre guillemets un peu obligé d'aller voir. C'est-à-dire, la vraie cinéphilie pour moi, c'est prendre le risque, de faire un film, mais prendre aussi un risque pour aller les voir, pour aller vers quelque chose qui n'existait pas avant, quelque chose de nouveau, un prototype, donc quelque chose dont on ne s'attendait pas avant. Et pour moi, c'est ça, le combat, il est des deux côtés, quoi. On peut essayer de continuer. Et c'est ça pour moi qui est difficile, c'est continuer à faire des films en prenant des risques, en se disant, est-ce qu'il y a encore des gens qui vont prendre des risques pour aller les voir? Voilà.